Salut tout le monde. Content de vous annoncer que le résultat de l'enquête du vieux Beauharnois est maintenant disponible. Vous allez pouvoir la regarder dès maintenant. Comme je me suis rendu compte moi-même durant le teaser qu'on a présenté il y a quelques jours, vous avez été très nombreux à regarder et à partager beaucoup d'intérêt. Vous avez démontré via cette enquête-là. Une grosse historique. Et c'est un endroit qui est réputé être hanté déjà depuis un bon moment. Fait que c'est pour ça que quand le propriétaire nous a contactés, ça nous a fait plaisir de se déplacer et aller voir. Moi, je suis de ceux qui croient que l'énergie peut être accumulée dans le bois, dans les fibres du bois. Et comme vous allez voir là-bas, tout est d'origine, ou presque, là, fondation, tout ça. Donc, ça a été vraiment une belle enquête, des belles preuves qu'on a captées. Il va y avoir une deuxième partie qui va être faite cette semaine. On a su qu'il y avait des enfants là-bas. On a tenté le terrain un petit peu en parlant de billes. Puis, ça semblait intéresser. Du moins, il y a une personne qui a dit le mot bille. Fait que, une deuxième partie va être faite. Donc, pour la première partie, je vous souhaite un bon visionnement et n'hésitez pas à partager la vidéo et laisser vos commentaires. Salut! De Beauharnois. On se trouve à être à la brasserie Le Vieux Beauharnois. Le propriétaire nous a contactés il y a quelques semaines. C'est le nouveau propriétaire. Il est en train de faire des rénovations. Une grosse historique ici. Il y a eu beaucoup de témoins de phénomènes étranges au fil du temps. La bâtisse date des années 1800. Elle a déjà été un salon mortuaire. Ça a déjà été une maison, donc il y a eu des familles qui habitaient ici. Il y a un notaire de l'époque qui a habité plusieurs années ici, un curé. Puis ici, c'est une brasserie. Je pensais que c'était depuis les années 70, mais je m'étais trompé. Ça date des années 80. Depuis les années 80, c'est une brasserie. Donc, c'est ça. Avec les informations qu'on a eues, je pense que ça va être vraiment une enquête vraiment super intéressante. On a vraiment hâte de commencer. Il y a plusieurs phénomènes de répertoriés, il y a plusieurs entités qui auraient été aperçues, mais il y en a une qui m'intéresse beaucoup, que je vais essayer de rentrer en contact avec. Le gars s'appelait Frank, c'était un habitué de la place, il était aimé de tout le monde. Frank, c'était quelqu'un que quand il venait ici, il était toujours à côté là, il parlait avec les serveurs, il parlait avec les clients ici, c'était son coin. On a mis des détecteurs de mouvement dans le coin ici. Frank, une journée, il a décidé de se suicider. Personne ne sait pourquoi, parce que la veille, il allait vraiment très bien. Puis le lendemain, les gens ont appris qu'il s'était suicidé. Ouais, mais c'est lui qui m'aidait à fermer. Ouais, c'est ça, il devait te donner un coup de main, soir oui, à ramasser. Je laissais mon bar, puis j'allais acheter ses cigarettes au dépanneur. Oh, oui, c'est ça. C'est on a toujours un client comme voilà. Ça, tout le temps. Ouais. Fait que toi, quand tu travaillais, il était ici, puis il venait te voir. Toujours. OK. Savoir qu'il nous a vraiment protégés toutes ces années-là, parce qu'on s'est senti qu'il était là. Je ne sais pas si Frank a toujours été là avec nous. Frank, est-ce que tu regrettes ton geste?
Ça a dit quelque chose. Est-ce que t'es bien quand t'es ici? On va essayer de rentrer en contact avec Frank. On va mettre Ian Pump. Ça va faciliter les phénomènes de voix électronique. On va commencer avec l'enregistreur numérique. Je vais poser des questions, puis on va écouter à mesure, voir si on peut obtenir des mots. Salut, moi je m'appelle Patrick. Moi c'est Isabelle. J'ai un enregistreur dans mes mains. S'il y a quelqu'un qui m'entend, tu peux t'approcher de la petite lumière rouge et tu peux me parler. Si tu m'entends et qu'il y a quelqu'un, est-ce que tu peux dire ton nom? J'entends marcher, hein? T'entends-tu marcher? Non, j'entends parler. J'entends. À certaines personnes, plus de personnes, ça a cogné, hein? Il y a plusieurs personnes au fil des années qui ont été témoins de phénomènes inexplicables ici. Qu'est-ce que je fous ici? Je viens de voir une lumière blanche passer. T'as pas vu ça sur la caméra? Non, je regarde pas par là. Okay. Mais il faudrait voir s'il n'y a pas les lumières des chars sur la rue. Non, non, ça, c'est vraiment ça. Puis les chars, quand ils passent, j'ai déjà checké. Ils font pas de lumière dans la place. Parce qu'il y a de la partout, dans toutes les angles? La façon qu'ils tournent, c'est juste une voie, puis ils tournent par là. OK. Ça fait pas de reflet. S'il arrive de par là, peut-être. Là, moi, je capte. Il y en a un qui vient de passer, le gars. Il n'y a pas de lumière en dedans. Il y a quelqu'un avec qui j'aimerais beaucoup communiquer. Il est décédé, ça fait environ 10 ans. Frank, si t'es là, est-ce que tu peux faire quelque chose pour me prouver ta présence? Parce qu'il y en a qui disent qu'ils savent que tu es ici. Il y en a même qui t'ont vu. Quelque chose, mais c'est pas clair. Si jamais il y a quelqu'un, à part Frank, toi aussi tu peux te manifester. On sait qu'il y a des enfants qui auraient été aperçus au deuxième étage. On entend souvent marcher en haut. Donc, peu importe qui vous êtes, quand je vais allumer mon appareil, si vous parlez assez fort près de nous, on va être capable de vous entendre. Frank, si t'es là, à n'importe quel moment, tu peux t'approcher des appareils que je pointe du doigt. Si tu t'en approches, ça va faire ça. C'est super facile, ça fait pas mal. Si tu t'approches ces appareils-là, ils vont te détecter et ça va s'allumer comme ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? On est dans la brasserie de vieux Beauharnois. Frank, est-ce que t'es là? Frank était ici toujours, à tous les jours, il était ici. C'était comme sa deuxième maison. Il était toujours placé à la même place, à côté du bord, juste là, à côté de l'escalier, où est-ce qu'il est Pat. Il était toujours ici, du matin au soir. Puis à un moment donné, il s'est suicidé, puis Pat. C'était un gars qui était super de bonne humeur, toujours un bon vivant pis tout. Les gens ont de la misère à croire que tu te serais suicidé. Tu répondras quand tu seras prêt. Là, c'est sûr que tu ne nous connais pas, tu ne nous as jamais vus. Moi, mon travail, c'est ça, c'est de rentrer en communication avec ceux qui sont décédés.
Avec cette poutre-là, tu étais toujours à côté dessus. C'est-tu vrai? Quand tu te sentiras prête, il y a plusieurs appareils autour de nous autres. Si t'en as pas juste un petit peu, c'est ça que ça fait. Ça fait pas mal. Est-ce qu'il y a des enfants ici avec nous? Ça a l'air qu'on vous entend souvent courir au deuxième étage. On s'entend que les enfants n'ont pas rapport avec le bar, mais plutôt avec... Dans le temps, c'était une maison. Une résidence qu'il y avait dans le temps. Là. C'est dans les années 1800. Il y a un notaire qui est resté ici. Puis il y a un curé qui a vécu quasiment toute sa vie ici. On peut avoir ton nom, monsieur le curé? Le plus, c'est déjà lié dans mes écrits, fait que si jamais, sinon, on va checker, ouais. L'appareil que je tiens dans ma main, la petite lumière verte. Si vous en approchez, il y a plusieurs lumières qui vont s'allumer, ça va nous montrer votre présence. Est-ce que vous pouvez vous approcher de la lumière? C'est que quasiment zéro interférence. Oui. Je marche un petit peu le sac. Ça reste quelque chose? Oui. Jack, Frank, peut-être que j'étais dans ton espace. Je me suis tassé un peu. Si jamais tu veux aller où tu étais habitué d'être, là, tu peux y aller. On sait que tu n'étais pas tannant, tu n'étais pas agressif, tu étais un bon vivant. Fait qu'on... On va te laisser ton espace. Ça ne chalera pas. Si tu as envie de nous parler n'importe quand, là, vas-y, gêne-toi pas. Le bruit que vous entendez, si vous parlez assez fort, on est capable d'entendre vos voix au travers de ce bruit-là. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ça va pas bien. Allô? Hein? Ça parle constamment, j'entends parler depuis tantôt. Qui est là? Il y a quelqu'un? Je vais prendre deux fois, on va le voir en bas. Il y a eu combien de familles qui habitaient ici? Il y en a eu au moins deux. Ça a été un salon funéraire. Ah, c'est peut-être pour ça que j'entends du monde jaser. Salon funéraire, j'ai oublié que ça. Pendant je sais pas combien d'années. Ah, ça jase là. Ouais. Je sais pas combien ça Ça a rapport avec le salon funéraire, je suis certaine. C'est drôle, hein? Ouais, mais tu sais, quelqu'un qui t'a exposé ça, je ne verrais pas pourquoi qu'il serait encore ici là. Si vous avez un lien avec la bâtisse, on aimerait ça le savoir. On n'est pas méchant, on n'est pas ici pour vous chasser. Ici, vous êtes chez vous. Je ne sais pas vous êtes combien, mais à entendre les témoignages, vous êtes plusieurs. Il y a des enfants. Il y a Frank qui était un habitué de la place. Est-ce que vous êtes capable de me dire vous êtes combien ici en ce moment? La ventilation.
plus de liberté d'ensilage. Il y a beaucoup d'appareils de détection autour de nous en ce moment. Il y en a où ce que Frank se tenait là-bas. Il y a celle-là qui est à côté de moi. Si vous en approchez, il y a des lumières bleues comme ça qui vont s'allumer. Il n'y a pas de danger, ça fait pas mal. Donc c'est juste pour... C'est juste pour indiquer votre présence. La femme, dans ce cas-là. Oui, ça, ça. Ça, ça n'a pas rapport avec la ventilation. J'ai brûlé la cafetière, mais c'était des coups que ça donne. Ça donne des coups comme... quelqu'un avec son doigt qui fait ça sur la table. Toc, toc. Tu es capable de refaire ça? C'est exactement le même bruit, mais en... Ça dit oui. Oui. C'est exactement le même bruit, mais en... Ça dit oui. Oui. Es-tu capable de le faire comme ça? Puis on aurait dit une voix d'enfant, ça se peut-tu? Est-ce qu'il y a des enfants ici en ce moment? Est-ce que vous voulez jouer? C'est juste moi qui les entends, là? Là-dedans? Là-dedans? Puis ailleurs, mais je sais pas où. Vous êtes capable de faire ça, là? Laisse-moi ça l'entendre. Mais c'est pas ça que je veux sortir. Des enfants, est-ce que vous avez envie de jouer au ballon? Obéis. Ça dit quelque chose, hein? Ça dit obéis. On dirait, hein? T'as envie de jouer aux billes? Les billes, c'est ça qu'ils jouaient dans les années 1800, début 1900. Là. Quand vous êtes prêts. C'est pas un orbe qui est passé en arrière de toi, là? Mais j'ai vu à l'œil. J'espère que tu l'as capté. Ben oui, je l'ai regardé dans l'écran. Est-ce que vous aimez le nouveau propriétaire? Capable de dire son nom? C'est quoi le nom du nouveau propriétaire? Si l'enregistreur allumé, si jamais la cloche elle sonne, on va l'entendre. T'as un orbe? À quoi? Ben. T'as un orbe? À quoi? Ben. Il se promenait devant. Ouais. Ce qui est intéressant ici, c'est que c'est le bois. Le bois a tout accumulé l'énergie. Ça l'a. 180, 200 ans, ça. C'est vieux. Fait que le bois qui est d'origine, en tout cas, moi, je crois ça, là. Il y a une accumulation d'énergie qui est là-dedans. Il y a eu tellement de vécu aussi, puis d'histoires différentes qui n'ont même pas rapport les uns entre l'autre.
Il y a eu des peines, des joies. Un bar, un prêtre. Quand Frank s'est suicidé, c'est sûr que ça a dû être triste dans la place, là. Un prêtre, un curé qui a habité ici pendant quasiment toute sa vie. Je pense que c'est 50 ans qu'il a vécu ça. Une famille avec des enfants, salon mortuaire, ça n'a même pas aucun rapport, toutes ces histoires-là, tu sais. Des enfants, ici, à l'époque, c'était configuré autrement. Ouais, mais des chambres en si haut. Si on a vu des enfants courir, c'est parce qu'il y avait des enfants, mais ces enfants-là. Il y a du bruit en bas. C'est une chance que t'as, là. On est tous les deux ici pour communiquer avec toi. Si t'as quelque chose à dire, c'est le bon moment. Ça fait presque 10 ans, là, déjà. C'est cool ça. Ça se peut qu'il y en ait un petit peu, mais comparé d'habitude. Là. Ça fait comme des coups des fois, mais tu sais, il n'y a pas de bâtisse qui est rattachée à ici. Fait que ça peut pas être le voisin qui cogne dans son mur ou quoi que ce soit. Là. C'est vraiment juste une bâtisse ça. C'est une pièce où ce que, les gens ont beaucoup de malaise. Quand ils viennent ici, ils ne se sentent pas bien. Il y a déjà quelqu'un qui est venu porter, je pense que c'était des chaises ou quoi que ce soit. Là, puis la porte qu'il y a là, elle shakait, paraît comme s'il y avait quelqu'un de l'autre côté. Si vous parlez, n'importe quoi vous avez à dire, Isabelle a une caméra dans ses mains. Une caméra, c'est fait pour enregistrer les images et le son. Si vous parlez assez fort, on va capter les mots que vous dites. Vous avez un message à faire passer. Ça fait peut-être plusieurs dizaines d'années que vous êtes ici. Vous avez envie de dire quelque chose. C'est le bon moment. Aujourd'hui, c'est une nouvelle année qui commence. On est en 2019. Est-ce que vous savez? Le bar ici dans la région est réputé être hanté. C'est une table ou une chaise qui fait ça? Moi, je bouge pas un poil. J'ai entendu des trucs tantôt, mais je veux plus que ça. Ouais, c'est des craquements de chaud-froid, là. Capable de faire un cognement comme ça? Sens-tu le plancher vibrer? Non. T'as peut-être un conduit. Tantôt, elle a parlé de... C'était dans quelle pièce ça qu'il avait senti pareil, comme si, il sentait pareil comme si le plafond était pour leur tomber dessus, là. Ça faisait comme une vibration. Je pensais ici, mais peut-être un conduit de ventilation, je sais qu'il passe pas, en mais dessous. Moi, je le sens. Ici, ça fait le plancher, il vibre. Oui, ça se mais pas. Vraiment fort, là. Ah ouais, moi, je sens rien. Puis je suis pas super loin de toi, là. Il y a peut-être quelque chose dans le plancher, je vais aller voir. Je suis pas super loin de toi, là. Il y a peut-être quelque chose dans le plancher, je vais aller voir. Le courant électrique, on le sent en arrière. Mais la vibration, ça, là, c'est à bonne place, ça, pour avoir des phénomènes de voix électronique. Parce que juste le bruit qu'on entend, ouais, là, ça peut faire. Ça. Ils peuvent s'en servir, là, moduler ça, puis faire un mot, là. Il y a pas de fuite, j'ai vérifié avec les appareils tantôt. Fait que si vraiment t'as quelque chose, pas des fuites électriques, là. Je vais essayer d'allumer mon appareil encore. Ça fait du bruit, mais ça me permet de vous entendre. Je pense qu'ici, là, vous avez l'énergie nécessaire pour être capable de parler. Ouais.
Bonjour, moi je m'appelle Patrick. Moi c'est Isabelle. Votre nom, vous, c'est quoi? On aimerait parler à n'importe qui a déjà habité ici ou qui a travaillé ici. L'endroit est vraiment vieux. Il y a beaucoup d'histoire. Peut-être vous vous demandez qu'est-ce qu'on est en train de faire. Nous, on est des enquêteurs de phénomènes paranormaux. Si vous savez pas c'est quoi, qu'on essaie de communiquer avec les morts. Est-ce que vous m'entendez? Soyez gentils avec nous, c'est la première enquête de l'année. Des fois, c'est pas nécessairement les gens qui sont morts sur les lieux. Des fois, c'est des gens qui ont passé beaucoup de temps dans leur vie sur les lieux où on est présentement. Et ça peut-être vous manquer parfois. Si c'est une famille qui a habité ici pendant longtemps, ça, vous allez peut-être leur venir faire un tour de temps en temps. On aimerait ça vous parler. C'est comme Frank, on le sait qu'il n'est pas décédé ici. Mais tu étais tout le temps ici, c'était comme ta deuxième maison. Je suis sûr que tu étais ici plus souvent que tu étais chez vous. Là. Si j'ai l'impression que. J'ai pas envie. Toi. Ben, j'avais hâte de venir ici parce que le monde avait des malaises quand il venait ici. Je sais pas pourquoi, là, mais. Là, j'ai l'impression que quelqu'un marche. Tu sens ça? Ouais? Là, ouais. Ouais. Il n'y a pas d'emplace ici, mais je ne sais pas. Ben, ces bangs-là, ça vient dans quelque part. Ces bangs comme quelqu'un qui. S'il y a des enfants sur l'étage ici, là, n'ayez pas peur de nous autres. Vous pouvez descendre en bas. Tu sais, c'est vrai qu'en même temps, là, ça fait au moins 40 ans que c'est un club. S'il y a des entités d'enfants, je ne verrais pas pourquoi qu'il y en aurait, mais il y a du monde qui en ont vu. Ça doit leur faire peur de voir un paquet de monde avec la musique forte, puis. L'énergie doit être bizarre pour des enfants, etc. Peut-être qu'ils aiment ça, puis eux autres, comme un party de Noël dans le temps, ou je ne sais pas, on ne peut pas le savoir bien, bien. Hein. C'est un paquet de mélange d'énergie différente. Oui, oui, c'est ça qui fait que c'est. Puis l'époque aussi, là, hey, on s'en va loin, là. Tu pars des années 1800 à aller jusqu'à aujourd'hui. Puis il y a des phénomènes rapportés. Ça a tellement des fonctions différentes, là, ça n'a pas de sens. Ouais. Frank! Tout ça, là, c'est pour toi. On sait que c'était ton spot. Tu te mettais là, tu t'accotais sur le beam set, puis tu jasais avec le monde qui était en arrière du comptoir. Puis ils aimaient les barmaids, puis ils checkaient parce que, tu sais, c'était un peu protecteur, les filles qui travaillaient là, puis... Lorsque je touche ma main, là, t'étais à côté ici. Puis tu regardais le monde. Tu regardais le monde danser, tu regardais le monde qui parlait entre eux autres. On sait pas ce qui se passait dans ta tête, si déjà tu étais malheureux de quelque chose, si tu avais des problèmes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Quelqu'un est là avec nous autres? Tu veux-tu une Bud? Je vais te chercher une Budweiser, c'est ça que tu veux? Moi, j'aime pas ça de la bonne, je trouve que ça goûte les bananes. Tu veux une petite bière? Avant de partir?
Le regrettes-tu d'avoir fait ça? D'après moi, oui, au début. C'est sûr que tout ce que nous autres... Peut-être qu'on entend, les voix qu'on entend, ils vont peut-être avoir été bien captés par les caméras. Okay. Il y a des affaires qu'on ne sait pas. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui s'est suicidé ici? Les voir. Si vous faites quelque chose, c'est sûr qu'on va être témoin de ça. T'as-tu vu quelque chose, ça? Non. OK, ben, c'était quand même ordre, mais ça m'étonnerait que c'est une poussière, là. Je l'ai vu à l'œil. Je crois pas que la caméra l'a capté. Ça vient de dire de quoi? Est-ce que c'est vous qui venez de passer? Ça avait une voix. Rauque. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a passé entre moi et Isabelle? Qui est là avec nous? Y a-t-il des jeunes qui veulent jouer aux billes? Ça, c'est sûr, je l'ai entendu. Toi aussi, tu l'as entendu, billes, hein, tantôt? Ça dit aux billes. Hein? Ça avait dit aux billes. Aux billes, ouais. C'est bizarre. C'est bizarre. Bizarre parce qu'Isabelle, elle a allumé la caméra et elle s'est éteindue tout seul, tout de suite. Puis encore la moitié ben oui, de normalement, ça ne s'éteint pas comme ça, là. Pas en quelques secondes. OK. Fait que dans le fond, on sait que c'est ça date des années 1800. On sait qu'il y a un curé qui a habité ici. J'ai emporté un crucifix. C'est qu'il y a des enfants qui aimaient jouer aux billes. J'ai trouvé une petite bille plate. Il y avait sûrement des jeux qui se faisaient à l'époque avec ce genre de billes-là. Puis j'ai apporté un truc. C'est sûr que là, je pense que c'est du Harry Potter, là. Mais ça va peut-être activer quelque chose, ça. Mais ça, ça ressemble à ce qu'il y avait dans le temps, pareil, là. Vous avez aimé ça? Est-ce que vous l'avez, la petite boîte? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de me dire ce que j'ai dans ma main? C'est quoi ça? On en a parlé tantôt. Ouais. OK, j'ai une autre question. Je sais qu'il y a un curé qui a habité ici pendant presque toute sa vie. J'ai apporté un crucifix.
J'imagine qu'être votre vivant, vous étiez quelqu'un de croyant? Maintenant que vous êtes décédé, est-ce que vous l'êtes toujours?